Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Frédéric pour un contact défunt le jeudi, je regarde la date, 28 novembre 2019. Alors, je vais venir à votre ami là, votre ami d'enfance. D'accord ? C'est lui que je ressens là. Hein ? Les autres vont venir aussi, on est en train de me dire. Mais là, c'est un message de votre ami. Oui. Vous avez fait les 400 coups avec lui, hein. C'est vraiment ouf, c'est quelqu'un avec qui on fait tout, d'accord. Il n'y a pas de recul, y a pas, on ne réfléchit pas, on fonce, on vit à 100%, c'est ce qu'il est en train de me montrer. Oui, voire plus. Hein? Oui, je n'allais pas dire rajouter un zéro de plus, mais hein? On dépasse même les bornes, on fait les cons, oui. On a fait, oui. Qu'est-ce qu'on a fait les cons tous les deux? Ah, vraiment, oui, hein? Qu'est-ce qu'on a rigolé, qu'est-ce qu'on s'est amusé dans la vie. C'est ça qui vous manque aujourd'hui, Frédéric, par rapport à cette relation. C'est comme un frère, c'est un ami, c'est un frère, c'est le tout, en fait. D'accord? Voilà. C'est quelqu'un de l'adolescence, vous connaissiez déjà à l'adolescence? Oui, bien sûr, hein? Oui. Voilà. Hein, on a l'impression qu'on partage tout, les copines, les mêmes boissons, les mêmes... vous voyez, tout, on partage tout. Tout, on fait tout ensemble, on goûte, on essaye, ça marche pas. Mais c'est pas grave, on passe à une autre. Il y a des coups de cœur, allez, et on passe. Hein, et c'est quand même un cœur d'artichaut, hein, votre ami, d'accord? Bien sûr, bah oui, oui. Voilà. Il dit qu'il va bien, hein, qu'il va bien, mais il me montre qu'il a une chute, quelque chose qui est arrivé d'un seul coup, qui lui a coupé la vie. D'accord? Il a eu un accident? Oui. Oui? Un accident de voiture. D'accord, parce qu'il me dit ça a terminé d'un seul coup. Sa vie s'est arrêtée d'un seul coup. Hein? Vous aviez plein de projets tous les deux, de faire des choses ensemble, vous voyez? Et il dit que malheureusement, tu as dû prendre le chemin... Seul. Oui. D'accord. Oui. Il est quand même là dans votre vie parce qu'il me dit que vous pensez souvent à lui, ce que vous auriez pu faire ensemble. Il y a quand même cette nostalgie, il me dit, de la jeunesse. D'accord. Mm-hmm. Et alors, il me montre les années 90. Il est parti dans les fin 80, début 90 ou... Non, il est parti, il n'y a pas si longtemps que ça. Dites-moi. Vers 2010, il est parti. 2010, hein. C'est quoi pour lui, alors je dirais 1989, 1990, ça représente quoi pour vous? C'est les belles années là où on était vraiment bien. Quoi. 87, il me montre vraiment les belles années, il me montre 87. Oui, à 1991, voilà. 91, 92, d'accord? Oui, c'était les super années. Voilà. Ouais. Il dit, mes parents ne me tenaient pas. Ça, c'est sûr. Vous écoutiez beaucoup de musique parce qu'il me montre que la musique était très importante. On a l'impression qu'on chante, qu'on rigole, qu'on... On avait un groupe et c'était un très très bon batteur. D'accord. Parce que c'est important pour lui, vous voyez, il me montre le chant, la musique, qui était très important. Oui. Hein? Très important, dans notre vie, très important. Voilà. Oui. Hein? C'est une façon aussi de s'évader, hein? Voilà. Vous aviez une musique particulière, Frédéric, quelque chose de particulier, vous aimiez chanter ensemble et être ensemble? Ah oui, bien sûr, oui, Steely Dan, Gino Vanelli, jazz. D'accord. Hein? Oh, mais de temps en temps, il aimait bien taper plus fort et un peu le rock. Ou... Bien, vous voyez ce qu'il est en train de me montrer. Hein? Voilà, c'est ce qu'il me montre bien. C'est quelque chose qui bouge. Hein? Voilà. Hein? Il continue la musique de l'autre côté. Hein? Ah, bravo, super. D'accord. Hein? On n'a pas l'impression qu'il a pu évoluer comme il l'aurait voulu, se faire connaître. Vous voyez, il me montre ça, mais il me dit que maintenant, de l'autre côté, il s'éclate. Ah, ok, génial, super. D'accord. Hein? Vous êtes son grand frère, hein? Son pote. C'est comme ça qu'il va. D'accord. Oui, hein, son frère, son frère de cœur. Hein? D'accord. Oui. Hein?
il me dit qu'il a ressenti en vous la perte de quelqu'un, comme si on vous avait enlevé une partie de vous avec lui. Vous voyez ? Vous êtes un peu, il dit, celui qui est démembré avec la maman, avec la grand-mère et avec lui. Ouais. À chaque fois, il y a un morceau qui part avec eux. Vous voyez, Frédéric ? Et il me dit, il faut que tu retrouves toutes ces parties en toi maintenant. Il dit, eh bien, on rejouera ensemble. Là. Mais là, je te ferai chanter, hein, il dit. Ouais, ok. D'accord. Il me dit, c'est drôle, il me parle de Kim Wai, la chanteuse Kim Wai. Vous savez, la blonde... Ouais, ce genre de femme, un peu... il dit bien... Oui, bien fait. Mais il me montre le côté nordique, je veux dire allemande, irlande. Vous voyez ces personnes russes, c'est ce style qu'il est en train de me montrer en fait. Femme de caractère. C'est cette nouvelle gonzesse, c'est quoi alors? C'est sa nouvelle copine, c'est ça? Oui. Bon, il est en train de me dire des bêtises, mais je ne vais pas le dire comme ça en ligne, d'accord? Bien en forme, il dit. D'accord, c'est ce qu'il aime. Oui, très bien, bravo. C'est le premier contact que vous faites avec lui parce qu'il me dit que ça vraiment, ça lui fait plaisir. Ah, évidemment, ouais. Hein? Il dit, ça me manquait ça. Hein? Oh, il aime bien quand même dormir, hein? C'est un grand dormeur, hein? D'accord. Oh là là, oui, il faut toujours bien aimer son lit. Oui. Hein, il faut le réveiller le matin, il faut aller secoue-toi. C'est un homme de nuit, hein. Ah oui, complètement. Voilà, hein, c'est un homme de nuit. Hein. Le matin, il faut le laisser dormir jusqu'à midi, une heure, il me montre. Hein, mais il se fait gronder, vous voyez, par son père qui dit, t'es un fainéant, tu n'arriveras à rien, il faut avancer. Vous voyez, il me dit, ouh, l'adolescence, ça m'a cassé la tête. Hein. Ah ben, c'est une longue adolescence. Hein, oui, disons que l'adolescence a été très très longue. Mais oui, c'est quelqu'un qui a tout ce côté, je veux dire, c'est quelqu'un toujours plein de vie, il continue à vivre, il dit à 100 à l'heure, pas 1000 à l'heure, hein, 100 à l'heure. Il a besoin de ça. Il est mort sur le coup parce qu'il me dit ça a été coupé. Vous voyez, mais j'ai oui, pas la... je crois qu'il est mort 2 heures après l'accident. Enfin, oui. Hein, on ne pouvait plus rien faire. Hein. Il me dit qu'il est mort sur le coup, mais je veux dire, pour lui, arrête de fumer, il dit. Ça te pollue, il dit. Ah, je ne fume pas, je vapote. Je vapote, c'est pas pareil. Il n'a pas connu ça. Ce n'était pas sorti, les vapoteurs. Non. Et puis, il n'aurait pas aimé, il me dit, vapoter. Possible. D'accord. Il vous embrasse, il va laisser les autres personnes continuer aussi, mais il est présent. Vous voulez lui dire quelque chose, Frédéric ? Alors, je parle bien à lui. Il dit de même, idem. Ben oui. D'accord, idem. Il me montre sa coupe de cheveux. Il avait une façon particulière de se coiffer aussi. Oui, un peu, c'est vrai. D'accord ? Voilà. C'est un grand gamin. Ah oui, c'est un grand gamin. Ah oui. Il dit, oh, il fait comme ça. C'est un grand gamin. Il a gardé cette innocence d'enfant. Il l'aura toujours de toute façon. Oui. Il aime danser, il aime la musique. Vous voyez, il aime bouger. Je ne peux pas dire que c'est un grand danseur, hein, mais hop, tout de suite, s'il faut danser, hein, et puis il fait le beau. Oui. C'est un séducteur. Hein. On va continuer. Allez, on continue. La dame en mariée. La dame en mariée. Voilà, la dame en mariée. D'accord. Vous n'avez pas été élevée par elle. On a l'impression qu'il y a une partie de votre vie, vous avez été élevée par votre grand-mère ou quelqu'un d'autre. C'est ça, oui. Hein? Oui. Votre grand-mère. Oui.
Elle est là, elle est tellement contente d'être présente et elle dit qu'elle s'excuse, qu'elle vous demande pardon d'être partie rapidement aussi. Et vous étiez jeune. Je crois que votre maman était très malade. Hein, elle me montre quelque chose malade où elle n'avait pas forcément le droit à certaines visites, où c'était compliqué. Je vais lui demander plus, hein, Frédéric. Vous voyez Vous voyez, c'est un peu comme si on regardait à travers une vitrine quelque chose et qu'on n'a pas accès, on ne laissait pas forcément les enfants rentrer dans cet endroit-là. Hein. Je m'en souviens très bien. Je pense que votre mère avait un souci de sang ou, vous savez, on a l'impression comme une infection ou quelque chose qui fait que c'est interdit. C'est interdit aux enfants, ce qu'elle est en train de me dire, d'accord? Elle voulait vous embrasser, elle me dit. Allô, allô? Frédéric? Ah, ça a coupé. Alors, nous allons retenter, recomposer le numéro. Ah, ça a coupé. Oui, c'est moi de retour. Hein, vous voyez comme si elle me disait que elle avait envie de vous embrasser. Oui, on peut voir. Vous voyez, c'était interdit et elle avait envie de vous embrasser, elle dit. D'accord, oui, de vous prendre. Je ne pouvais pas dire parce que voilà. C'était stérile et voilà. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est la leucémie. Voilà. Si c'est la leucémie, quelque chose lié avec le sang ou une infection bactérienne qui faisait qu'elle ne pouvait pas. Comment dire, vous ne pouviez pas. Elle a une visite d'une personne et après cette personne, elle doit sortir. Après, elle a une visite d'une autre personne, mais pas tout le temps, pour ne pas la fatiguer, en fait. Oui, c'était très compliqué. Très compliqué. Elle vous a vu, hein, elle me dit qu'elle vous a vu. D'accord, hein, vous le faisiez des signes, vous vouliez rentrer. Hein, maman. Hein, ça lui a fait mal au cœur aussi, mais elle ne voulait pas que vous tombiez malade à cause d'elle. D'accord, elle a voulu vous préserver. Elle a voulu vous préserver aussi, mais elle dit que... elle me dit qu'elle aurait aimé vous serrer fort dans les bras et qu'elle aurait aimé le faire beaucoup plus souvent avant d'être malade. D'accord. Elle dit on ne sait jamais quand on va partir. Elle dit aux mamans, serrez toujours vos enfants, dites-leur que vous les aimez, même s'ils vous rejettent. Voilà. Elle vous aime, hein, énormément, hein, Frédéric. Elle me montre cette affection. Et c'est réciproque. Hein. Votre maman, c'est quelqu'un de pleine de joie, qui accepte, qui vous pardonne les choses. D'accord? Elle pardonne souvent. Vous étiez un enfant turbulent qui faisait des bêtises, un peu maladroit, elle me montre, mais elle dit c'est mon petit garçon. À l'âge où elle est partie, j'avais peut-être, je sais pas, 12-13 ans. Voilà. Hein? Je ne faisais pas encore trop de bêtises. Non, les grosses bêtises, elle dit que ça a été après. Non, elle peut... Oui, ça a été après. Oui. Mais elle dit que vous étiez un peu... que vous étiez maladroit. D'accord, hein? Voilà. Vous étiez maladroit avec la vaisselle, elle dit. C'est possible. Oui, c'est possible. Voilà. Mais c'est quelque... D'accord. Elle est en train de me dire qu'elle vous aime énormément et qu'elle vous a pas quitté, en fait. D'accord? Elle vous a pas abandonné. Elle dit qu'il y en a des gens qui t'aiment, qui sont de l'autre côté. Elle est en train de dire qu'il faut que vous soyez heureux dans votre vie. D'accord? C'est important pour vous. On a l'impression que vous vous détruisez un peu dans votre vie, que... qui a, Frédéric, une partie de vous, vous vous dites pourquoi vivre, toujours les mêmes choses qui recommencent, pourquoi, vous voyez. Et elle dit, il faut que tu te ressaisisses, c'est ce qu'elle est en train de me dire. Ok. Elle dit, moi je t'aime. D'accord, moi je t'aime.
et je t'aimerai toujours. Je suis ta maman, elle dit. Hein? Même si tu es devenu un gaillard et un beau garçon, elle dit je t'aime et je continuerai toujours à t'aimer. C'est votre, elle est en train de me dire, j'ai l'impression que c'est votre grand-mère qui a pris soin de vous, qui s'est occupée de vous. D'accord ? Hein? Voilà, hein, qui, on a l'impression un père un peu absent, un père qui n'est pas toujours là. Je veux dire, oui, ça base sur un truc. Hein, voilà, un père qui pas à faire. Voilà, qu'est-ce que je vais faire, moi, de cette situation avec ce gosse, vous voyez ? Et c'est mamie grand-mère qui a apporté de l'amour en fait, la combinaison. Bah, c'est elle qui a repris ce rôle en fait, d'accord hein. Bah, c'est la logique quoi. C'était la logique, mais elle l'a fait. Alors, c'est pas la logique pour toutes. Et on le fait pas. Voilà, hein, ça peut être une logique, mais on le fait pas. Ou on est transmis, on est remis à la tante ou quelqu'un, une cousine. Quand la grand-mère est assez âgée, on va pas la remettre. Mais elle a pris ça vraiment, votre grand-mère, avec le cœur, et elle dit j'espère que j'ai fait de mon mieux avec toi. Bien sûr. Ah, tu m'as fait faire venir les cheveux blancs, elle dit. Qu'est-ce que tu m'as fait pousser les cheveux blancs là avec toi? Ils vont bien, hein, tous les trois, ils vont bien, hein, c'est ce qu'ils sont en train de me montrer. Je suis très mais il est important, ils sont en train de me dire que vous, vous alliez bien et que vous preniez soin de vous. C'est dans la tête, ils disent, c'est dans la tête. Tu te bloques dans la tête. Hein. Ouais, Tu t'empêches de faire des choses. Des choses importantes, tu t'empêches de faire des choses. Il est temps de prendre ta vie en main. Il est en train de, ouais, il est important de bouger. Et votre ami, copain, il dit, ouais, il est temps de bouger. Et ça, c'est pas possible. Il faut bouger, il dit. De toute façon, tu vas devoir bouger. Tu vas pas faire la sieste comme moi jusqu'à 1h de l'après-midi, il dit. Non, ça, c'est pas ce qui se passe du tout. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut que je bouge. Mais si je bouge, ça va vraiment me demander de gros sacrifices par rapport à mon fils, par rapport à tout ça. Mais je pense que oui, de toute façon, il faut que je bouge. Alors, ce que est en train de dire votre maman, c'est que, vous voyez, elle est en train de me dire, tu vois ton père, même si tu étais là, il a dû... alors, il n'a pas fait de sacrifice, votre père, d'accord ? Et disons que votre père a pris, s'est occupé plus de lui... Oui. De sa vie à lui, comment il allait gérer les choses, que se dire qu'est-ce qu'il allait devenir mon fils. Alors, il est là, il n'est pas là, je veux dire, elle me montre bien qu'il est présent, pas présent, c'est simplement une présence, pas plus, pas affectif, pas ce que vous aviez besoin justement. Parce que, enfant, vous vous êtes retourné votre père pour rechercher le côté père et mère, d'accord ? Ce que vous n'avez pas eu de lui. Hein ? Et elle dit qu'il ne savait pas en plus le faire. Ah non, il ne savait pas le faire. Hein. Il y a des pères qui prennent le rôle, mais lui, il ne savait pas le faire. Il a pensé, bon, maintenant, elle n'est plus là. Avec qui je vais me mettre, avec qui je vais faire ma vie. C'est surtout ça. Il a eu peur. D'accord ? Oui. Voilà. C'est plus compliqué que ça, mais bon, peut-être, ok. On va pas aller dans les choses personnelles, trop personnelles, d'accord ? C'est pas le but, Frédéric. Le but, c'est que vous devez aussi... faire des choses aussi dans votre vie, faire des choses que les enfants recevront, mais il faut aussi penser à votre vie, à vous, votre relationnel, ce que vous voulez dans votre vie pour pouvoir avancer aussi, ce qui est important. Hein? Hein? Vous attendiez quelque chose de cette réunion familiale, aussi certainement pour vous booster, pour vous dire, voilà, maintenant je vais peut-être prendre un départ qui va me permettre de faire des choses importantes pour moi aussi. Moi j'avais envie d'avoir de voir parce qu'on en parle j'avais envie d'avoir ce contact. Je suis en train de monter une boîte, c'est compliqué, donc aller de l'avant, je vais de l'avant. Oui, c'est le contexte qui est difficile. Parce que votre copain il me dit parce que tu vois toujours les choses en grand, Bah oui, sinon, ça, voilà. La peine. Mais de toute façon, vous aviez vu toujours les choses en grand.
De toute façon, d'accord? C'est ce qu'il est en train de me dire. Ouais. Alors, vous avez deux femmes qui vous aiment énormément, qui sont présentes comme elles peuvent, d'accord? Alors, vous savez, le jour du mariage de votre mère, elle dit qu'elle était heureuse ce jour-là. D'accord, hein? Elle était heureuse, c'était important pour elle ce jour de mariage. C'était important. Mais, comment dire, votre père, on a l'impression qu'il a vite tourné le dos. Vous voyez, il s'est dit, marié, allez, classé, on passe à autre chose. Ouais, c'est vrai, je ne pense pas que votre père était fidèle à votre mère. D'accord, non, hein? Elle était jeune, elle était très jeune. Et elle le savait, hein? Elle me montre bien qu'elle savait, et elle était malheureuse de la situation. Hein? Mais votre mère a vraiment aimé votre père, c'est ce qu'elle est en train de me montrer. C'est bien. D'accord. Hein? Voilà. Elle était déçue par certaines attitudes, par certaines façons de parler. D'accord, hein? Voilà. Mais elle dit, moi je l'ai aimé plus qu'il m'a aimé. C'est pas possible. Ton père, il aimait plusieurs à la fois. Totalement. Voilà. Plusieurs femmes. Il ne pouvait pas aimer seulement une, il fallait qu'il les aime toutes. Et bon, très bon. Il vous arrive de voir votre papa Ah oui, très souvent. Au moins, on s'appelle au moins une fois par semaine. D'accord. Et on mange ensemble au moins trois fois par mois. Oui. D'accord. Oui, on s'appelle très souvent. On s'appelle très souvent. D'accord. Vous avez des questions? Je n'en veux pas toute cette partie-là. Je n'en veux pas. Non, mais c'est... C'était voilà. En fait, c'est des choses à régler. Ça sera entre elle et lui, hein, de toute façon. D'accord. Après, alors, il faut savoir que. Non, mais bon, je lui en veux pas d'avoir été un père de merde. Parce que, il a été nul. Mais bon, je ne m'en veux pas. C'est pas grave. Oui, mais en fait, voilà. Tourner le dos, mais lui tourner le dos. Elle dit heureusement qu'il y avait la grand-mère, hein. D'accord, eh oui, voilà, ça, la sûr. Maman, voilà. Ça, c'est évident. Comment dire, vous êtes lequel des petits enfants de danser le plus grand avec votre grand-mère? Oui, je suis le premier des petits enfants. D'accord, ouais, parce qu'elle me disait le plus grand par rapport à l'autre photo de l'autre bébé. Oui. Elle aime bien voir ses petits enfants autour d'elle, hein. C'est important. Toujours attentionné, toujours à faire attention. Et il faut que vous soyez propre. Pyjama, faut mettre le pyjama, faut se laver, le pyjama. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui a pris son rôle à grand cœur et elle dit que ça lui a fait du bien, ça lui a permis de vivre. Hein. C'est surtout ça. Vous savez, oui, de ne pas tomber dans le contexte des petits vieux. Hein, elle a quand même une mentalité, votre grand-mère, assez jeune dans sa tête. Ça lui a permis d'avoir un deuxième souffle, une réparation aussi. D'accord? Oui. De réparer certaines choses. Et elle dit qu'elle a pris ce rôle très important. C'était très important pour elle. Et elle n'a jamais regretté de s'être occupée de vous et de s'occuper des autres. Elle dit que c'était une bonne retraite bien méritée, ça, d'avoir les petits-enfants. Ça a été que du bonheur. Ah bien. D'accord. Et vous lui avez apporté ce bonheur pour elle. D'accord. Elle vous embrassait tout le temps. Elle avait toujours besoin. Ah oui, et vous, oui, ça oui, vous oui, agaçait oui. Qu'elle vous embrasse. Vous n'aimiez pas qu'elle vous embrasse. Vous faisiez toujours comme ça. Tout le temps comme ça. Et elle, plus vous faites ça, arrête. Et plus elle continue à le faire parce que pour vous embêter, elle vous prend et vous... Vous voyez, à un moment donné, c'est bon. Voilà. Et elle avait besoin de toujours vous prendre. Voilà. Et elle dit, j'aimerais encore te prendre et te serrer fort comme ça, elle dit. Très, très fort. Tellement je t'aime, elle dit. Waouh, il y a un amour très, très fort, hein. Elle vous a empêché de rentrer dans cette pièce, elle me dit, vis-à-vis de votre maman. Hein, vous n'aviez pas le droit, c'était compliqué, vous deviez rester à l'extérieur, regarder, et encore, pas tout le temps, parce qu'à un moment donné, on vous faisait partir. Hein, vous avez quand même beaucoup, ça vous a touché, pleuré, vous ne compreniez pas, vous avez beaucoup pleuré.
pour ressortir tout ça, en fait. Elle, vous avez l'impression que votre maman vous aimait moins quand vous avez interdit de la voir, et du coup, vous avez senti une forme de, comment dire, d'injustice vis-à-vis d'elle. Pourquoi on me sépare d'elle? Pourquoi? Vous voyez? Oui, quand enfant. J'étais môme, j'ai certainement ressenti ça. J'ai vite compris quand j'ai grandi, mais ouais. Voilà. C'était très dur. Très dur, bien sûr, évidemment. C'était hyper dur. Aujourd'hui, elles me disent il faut que ta vie soit en rose. Ou jaune, ils disent, comme le pull, mon pull. Pour mettre de la lumière. D'accord? Il faut mettre des paillettes, ils disent. Des paillettes, ben ouais, on va voir. Plein de paillettes. Ok. Plein de paillettes dans ta vie. Vis, sois heureux, fais des choses. Sois heureux, c'est surtout ça. Sois heureux. D'accord, ils sont en train de me dire, les décisions dans une vie, ça bouge. Voilà, votre maman, elle dit, moi j'ai été heureuse avec ton père, je l'ai aimé, malheureusement, à un moment donné, il y avait des conflits quand même, hein, c'est violent avec votre père, hein, par rapport à ses conquêtes, et en plus, il ne se cachait pas, hein, pour aller ailleurs. Hein. Il m'a dit, c'est au moins, il avait été discret, mais il ne se cachait pas. D'accord? Et donc, du coup, elle dit, moi j'aurais dû mettre des paillettes dans ma vie et en faire autant, elle dit. Ouais. Mais c'est pas comme ça, votre maman. Votre maman, elle aime, hein. Et elle n'aimait que lui, d'accord? Elle dit, j'aurais dû mettre la paillette parce que ça m'a tué, ces relations m'ont tué, en fait. Des questions, Frédéric? Non, moi je suis content qu'il soit bien, tout ça, voilà. Des questions personnelles. Alors, on va revenir aux questions personnelles, si vous voulez. Je vais arrêter la vidéo, on va venir aux questions personnelles. D'accord? Oui, je ne sais pas, des questions, je les aime fort aussi. Comment? Je les aime fort aussi, voilà, j'ai un message pour... Mais des questions, non, j'en ai pas. Mais j'ai un message, je les aime fort. Mais ils vous aiment très très fort aussi. Voilà. D'accord? Votre grand-mère, elle est partie aussi malade, hein, elle me montre qu'elle a été malade. D'accord, oui. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un problème avec le cœur ou tout ce qui est poumon. Le cœur. Voilà, okay. Hein, il y a, voilà, hein, c'est ce qu'elle est en train de me montrer. Elle me fait toujours comme ça, hein, ce besoin de toujours faire comme ça. Okay. Vous voyez? Voilà, depuis tout à l'heure, elle fait ça. Voilà, elle a toujours ce besoin de mettre sa main, voilà. Elle a eu le cœur brisé, hein, par tous ces événements, ça a été dur, difficile pour elle. D'accord. Oui, elle n'a pas une vie facile. Elle a perdu des gens aussi qu'elle a aimés trop vite, trop rapide, dans la maladie, dans les accidents. Et elle dit tous encore cet enfant. Vous voyez, pour elle, vous étiez orphelin pour elle, hein, un père qui est absent, un enfant qui se retrouve sans maman. Et c'est pour ça qu'elle me dit. J'ai tout fait pour combler la vie de Frédéric. Comme si, elle ne voulait pas que vous pleuriez ou que vous sentiez une certaine nostalgie. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, elle a toujours été soucieuse de tout ce que vous pourriez faire ou penser. Voilà, elle veut vraiment... elle m'a dit, je ne pouvais pas prendre le rôle de la maman, mais au moins de la mamie bien présente, en fait. Oui, oui, bien sûr. Oui, elle a vraiment fait le maximum pour moi. Vous voulez vivre avec votre père à un moment donné, Frédéric, vers 15-16 ans? Vous vouliez vivre avec votre père? Ou votre père est venu vous chercher pour venir vivre avec lui ou quelque chose comme ça? Oui, plus tard, oui, je l'ai rejoint quand il a acheté un resto, mais c'était plus tard, hein, vers 20 ans même. D'accord. 20 ans. Mais vous n'êtes pas resté, j'ai l'impression que... Ah, c'était compliqué. Non, je ne suis pas resté complètement. Il était dans un côté plutôt se servir de vous. Se servir de vous que de vous laisser libre, en fait. D'accord? Hein? C'est ça, il était cherché un larmeau, en fait. Voilà, exactement. Ça l'a fait bien rigoler, hein.
Ah, mais il sait toujours. Non, mais mon père, je l'aime, mais je sais que c'est un salaud parce qu'il sait toujours faire avec les autres. Quoi. Voilà, parce que ce qu'elle me montre bien, je veux dire, alors, elle me montre bien que voilà, il fallait en fait que vous fassiez quelque chose de votre vie, d'accord. Donc, il valait mieux que vous travailliez et tout ça. Mais vous, vous n'aviez pas vu cette façon de voir, c'était dire, tiens, je vais le rejoindre, je vais pouvoir m'amuser, me faire des potes, vous voyez. Oui, oui, oui. Non, mais lui, en plus, il faut travailler pour lui, cadeau. Voilà. Eh oui. Eh oui. C'est ça, voilà. Et ça l'a fait bien rire, hein, votre grand-mère. D'accord. Ma grand-mère, bah, oui, parce qu'il a fait pareil avec ses autres enfants, ouais. Donc les autres enfants de ma grand-mère, mais bon, il a fait pas. Ah oui, hein, ça l'a fait bien rigoler. Hein. Mais ça n'a pas marché avec vous. Hein. Ça a été un petit temps. Puis quand vous avez vu que le salaire, ben, il n'arrivait pas, vous lui avez dit, va te faire voir ailleurs. Oui, la dernière fois, c'était en Martinique, quand on avait monté une affaire en Martinique. J'avais une salle pleine de couverts à servir, j'en pouvais plus. Et puis, il allait chanter dans le bar d'en face. En fait, elle me dit que, ouais. Votre grand-mère, elle me dit que votre père avait souvent les mains dans les poches. Oui, et il aimait donner les ordres à tout le monde. Ouais. Voilà, il aimait donner les ordres. Et en plus, il n'était pas content. Il n'était jamais content. C'était toujours mal fait. Alors, si c'était mal fait, il fallait qu'il le fasse lui-même. Je pense. Seulement, il ne savait pas le faire. Non. Ouais. Il voyait les défauts chez les autres, mais pas chez lui. Il mériterait que je lui dise merde, mais bon, c'est pas grave. Non, mais vous avez été en plus poli, c'est que vous vous êtes barré. Oui, je suis pas. Je connaissais le. Vous n'avez même pas donné d'explication, vous êtes parti. D'accord. Voilà, hein, vous êtes parti. Et votre mère, elle dit, tu avais bien raison. Oui, sans doute. Ah, il a été bien embarrassé, hein, d'accord. Oui, il a perdu beaucoup. Voilà, il a été bien embarrassé parce que même si votre père a ce côté jouviable et tout ça, il a quand même un caractère froid, d'accord. Et on ne vient pas forcément pour lui, hein, on vient par rapport aux autres personnes qui travaillent là. Voilà. D'accord. Oui, non, c'est un égoïste profond, quoi. Voilà. Ça fait rigoler votre pote. Hein. Il me dit, moi, je l'aurais envoyé depuis longtemps balader. Hein. Mais bon, voilà. Il dit un autre mot, hein. Je vais être poli. Hein. Oui, oui, bien sûr. Je vois ce qu'il peut dire. Vous avez compris, bon. Et il dit, j'ai pas le droit de dire des choses aussi. Hein. Voilà. Il vous embrasse tous les trois, il vous aime très très fort. Hein. Oui. D'accord. Oui, voilà. Vous pouvez demander, hein, de l'aide vis-à-vis de votre ami. Hein, d'accord. Oui. Vous pouvez demander de l'aide, même des trois, hein, vous pouvez leur demander de l'aide. Dans Comment votre ça? Vie. Mais dans votre vie, quand quelque chose, vous avez besoin de résoudre une situation, de mieux comprendre une situation par rapport à ce que vous passez. Demandez-leur de l'aide, hein, demandez-leur de vous inspirer, de vous apporter un message clair et un message, comment dire, qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer, de comprendre plus facilement les choses. Ouvre ton cœur, ils disent. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Vous savez, Frédéric, même si vous êtes quelqu'un de sensible, quelqu'un qui dément, on a l'impression que votre cœur, il s'est renfermé avec toutes ces histoires. Vous savez, pour se protéger, hein. D'accord. Bah oui. Hein, c'est pas d'ouverture. Voilà, et ils disent que maintenant il faut ouvrir cette colombe en fait. Il faut ouvrir son. Comme une colombe qui s'ouvre maintenant. Et ne pas avoir peur de montrer les choses, ses sentiments et même de pleurer s'il faut. Ouais. Et ça, vous vous interdisez de vous montrer, comment dire, de montrer ça vis-à-vis des personnes que vous aimez. Vous voyez ? Chacun fait des erreurs dans la vie, hein. Ça fait partie du processus bah, d'évolution. Le problème, c'est que moi, j'aime pas grand monde, quoi. Moi, j'aime bien mes enfants. Quoi. J'aime mes enfants, c'est tout. C'est pour ouais, ça. C'est ça. Alors, Frédéric, vous aimez vos enfants, c'est déjà un point très positif, hein. D'accord. Voilà. Voilà. Après, je veux dire, après, ce qui est important, c'est un peu de comment dire. C'est un peu aussi d'aller vers les autres et aussi je veux dire, quand le cœur il est fermé, on ne peut pas s'épanouir dans une vie. D'accord ? Non, ça n'empêche pas d'être agréable et sociable. Je pense que. Mais je me limite, c'est parce que je me limite, voilà. Voilà. Mon vrai amour, mon amour profond, il est pour mes enfants. Il est juste pour eux.
Voilà. Le reste, je suis très sociable, très très Ah, mais sociable. je le vois que vous êtes très sociable. D'accord? Voilà. Voilà. De la dehors, non, j'en ai pas. Non. Alors, vous faites comme vous voulez, j'ai pas de. Voilà. Et puis, ils n'ont rien à vous dire de toute façon, il fallait aussi qu'ils règlent leurs histoires. D'accord? Oui. Pour ma mère, ma grand-mère et Didier, j'en ai de l'amour toute ma vie, mais bon, là, ils ne Voilà. sont plus là. Et Ils sont partout. votre ami dit, et ton pote? Oui, bien sûr, Didier, Mais vous bien sûr. savez aimer, Frédéric, vous savez aimer, ce n'est pas le problème. C'est de vous ouvrir et dire, voilà, je m'accorde le privilège de m'ouvrir un peu plus au fur et à mesure des choses, à la vie, à ce que vous vivez, à la nature, aux choses. On a l'impression que même la nature, pour vous, on regarde, mais... Ah Et il me dit, d'accord, il est en train de me dire, avant on s'éclatait pour tout, pour tout. On était complètement ouvert à tout. c'est vrai. Et maintenant tu t'es renfermé, même les choses simples, tu ne les regardes plus. Tu te donnes même pas le temps de regarder les étoiles, tu te donnes même pas le temps de regarder une belle voiture, une fleur. Tu te donnes pas le temps de regarder ces choses qui sont importantes et Oui, basiques et ça me qui... touche pas beaucoup. Et qui permettrait d'ouvrir. Alors que nous, on était fous de la nature, d'aller faire des virées en voiture, de faire des choses tout le temps, de la musique, de la musique, d'aller écouter des choses, de bouger, de faire des choses. Et c'est ça qui te manque pour que tu t'épanouisses. Oui, bah, il y a aussi à 50 et quelques années, on est plus, c'est plus une vie de copain. C'est la vie est différente. Je vous rejoins pas là. La vie, non, mais la vie est routinière. On a le même âge. Qu'est-ce que vous me racontez? Vous n'allez pas me Eh raconter ben, avec la femme que j'ai, avec la vie qu'on mène, on n'a pas Alors, beaucoup avec de la temps. vie qu'on mène, avec la femme qu'on a, les enfants qu'on a, nos amis, on peut faire encore plein de choses. Ah non, il n'y a pas la vie. On n'a pas la vie. Non, on n'a pas la vie. C'est vrai. C'est vrai, on n'a pas trop le temps d'en avoir à Paris, là, avec notre boulot, nos machins. Tout est axé sur le travail et sur la performance, et on n'a pas le temps, hein, de tout ça, vraiment. Vraiment. Et de regarder un beau film ensemble, on n'a pas le temps. Ah, si, mais tout seul, pas ensemble. Il y a des petites choses forcément qui font ça, mais bon, voilà. Ils vous aiment Oui. énormément, c'est ça qui est le plus important. Ils vont bien, tous les trois, d'accord? Hein, ils continuent leur évolution, ils regardent, ils observent. Votre copain, il dit, ben, il faut que tu apprennes à regarder et puis à me demander, demande-moi. Moi, je vais te mettre de la vie joyeuse dans ta vie. D'accord? Il allait trop vite quand il a eu cet accident. Il ne conduisait pas, il était passager. Il est passager, mais Mais je pense que ça allait trop vite, oui. oui, C'est parce pas qu'il me trop. montre qu'il y a de la vitesse. Vous voyez, il avait demandé que cette personne n'aille pas trop vite, mais comme si on était en retard, il fallait vite, vite, vous voyez, en Parce retard qu'il et fréquentait à l'époque, il fréquentait des gens voilà, que pas j'ai vus à bien. l'enterrement qui n'étaient pas terribles. Non, voilà, pas bien, il dit, d'accord. Hein? Et il me dit comment dire, ça allait trop vite. Je lui ai dit ralenti, tout ça, mais non, il faut pas lui. Il me dit, il fallait pas lui dire ralenti. Plus on lui dit ça, plus il s'énervait. D'accord? Hein? Ça allait trop vite, il dit. C'est pour ça qu'il y a eu, comment dire. Alors j'ai l'impression que la voiture a fait des tonneaux en même temps. Vous voyez, il y a une collision, mais comme si la voiture a tourner et il me dit j'ai rien vu venir, ça se passe tellement vite et en même temps c'est comme si tout était comment dire découpé, vous voyez, toutes des images comme si on coupait le film, tac 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 tac, voilà. Il savait qu'il allait partir en fait, d'accord. Il dit que s'il avait un vécu, il aurait été handicapé, Ah oui, d'accord. d'accord, et il n'aurait pas aimé, Je crois que d'accord. ses côtes ont perforé ses poumons. Oui, il dit qu'il n'aurait pas aimé ça, d'accord. Bien sûr. Il dit j'aurais pas aimé être handicapé. Il dit sur une chaise roulante. Il me dit c'est pas Non, mon c'est pas truc, ça. j'aurais pas pu. Là, j'aurais été d'une tristesse, il dit, je me serais Évidemment. suicidée. Non. Vous voyez? C'est quelqu'un qui peut mettre vite fin à sa vie, hein, si le moindre. Il a quand même un côté très fragile en lui, hein, il me montre ça.
ça n'a pas été facile sa vie, hein. Il me dit que voilà, il n'était pas en accord avec ses parents. Il dit qu'il a fait quand même beaucoup de mal à sa maman sans le vouloir. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est pris vraiment il dit à 1000%. Et c'est pas forcément des fois où il allait coucher. Vous voyez? Je sais pas. Attendez, excusez-moi. Allez-y. Oui. Oui, ne quittez pas. Il faut que j'ouvre au livreur, je n'ai pas une seconde. Pardon. Allez-y. Les aléas de la vie. D'attendre. Excusez-moi Isabelle, parce que là je suis dans le jardin. Il n'y a pas de souci, mais regardez un petit peu les arbres là. Il y a plus beaucoup de feuilles dessus. Mais je m'occupe de mon jardin. Regardez. C'est bien, c'est très bien. Jardin. Mais regardez ce qu'il y a comme feuilles sur les arbres. Eh oui, c'est l'automne. Non, mais c'est vrai que. Déjà à Paris, voilà, c'est le seul endroit de verdure, sinon le reste, je ne vois que du béton. Je vais pas à la campagne, je vais. Bon, on n'a pas trop le temps. Merci. Merci bien. Au revoir. Tout le reste, là, c'est pas moi. Ok. Ok, bonne journée. Au revoir. Alors, vous voyez, vous ne vouliez pas sortir, mais vous êtes quand même sorti à l'extérieur dans le jardin, hein, dans la nature. Et en plus, vous avez des cadeaux dans les bras. Vous voyez ça? Oui, moi, c'est vraiment des cadeaux. C'est encore des délires. Voilà, Frédéric. Vous avez des questions peut-être à leur poser ou pas? Non, Isabelle. Moi, je voulais savoir si des gens pouvaient se parler. J'en suis ravi, c'est vraiment bien. Oui. Et je suis content de savoir qu'ils sont bien. Voilà. Alors, il dit qu'il continue à faire de la musique, qu'il s'éclate, d'accord, que son groupe de l'autre côté, ben, il y a du succès. D'accord. Ce qu'il me montre, c'est comme s'il faisait de la musique, mais par petits groupes et à certains endroits, une fois par là, une fois par ci. Vous voyez, on cherche justement, on va se faire connaître, hein, c'est ce qu'il est en train de me montrer. Hein? Ça n'a jamais vraiment, ça a jamais vraiment démarré comme il aurait voulu, en fait, d'accord, hein? Non, il avait fait des bœufs, des machins. Voilà, des voilà, ça n'a jamais démarré comme lui il aurait voulu. Ah, il est quand même doué, hein? C'est quelqu'un de doué, d'accord, hein? Il est doué en plein de choses. Un super batteur, hein? Il est très bon batteur. Voilà, il me montre qu'il est doué quand même en la musique. Hop, tout de suite, il sait comment changer. Voilà, il a un côté original aussi, hein? D'accord, hein? Différent des autres, hein. Il a vraiment sa façon, sa marque, il me dit. J'ai ma marque, il me dit. Oui, c'est vrai. J'ai ma marque, hein. Voilà. Il vous embrasse. Et puis ma grand-mère et ma mère, je les embrasse de tout mon cœur. Il vous embrasse aussi. Hein. Mamie, elle dit qu'elle n'avait pas toujours les moyens pour faire certaines choses avec vous, mais qu'elle aime bien les parcs, hein. Elle me montre qu'elle aimait vous sortir tout le temps. Vous voyez? Oui, elle était plutôt casanière, oui. Oui, mais elle s'oblige aussi. Ça a changé peut-être. Mais elle s'oblige. Hein. Si, elle vous emmenait au parc, elle dit. Je vais t'emmener au parc. Hein. C'était tout petit, oui. Ouais. Pas au grand. De toute façon, grand, vous allez à l'école après. D'accord, hein? Oui. Hein? De toute façon, vous, elle dit, dès qu'il pouvait partir. Hein. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est très difficile pour que vous rentriez. Ouais. Vous n'étiez jamais à l'heure, elle dit. J'étais un jeune bougeant. Ouais. Elle dit qu'elle vous aime énormément. Ouais. D'accord. Merci. N'oublie pas que tu es quelqu'un de bien. N'oublie pas que tu es quelqu'un de bien. Important. Tu es important dans nos cœurs, elle dit. Tu es important dans nos cœurs. Hein? Voilà. Tu es important dans notre cœur. C'est un cadeau, ça, d'être important dans nos cœurs. Bien sûr. Voilà.
ils sont passés. Voilà, je ne les ressens plus là. Ça va Ok. Voilà. Bah oui.